Si tu as peur de trahir, si tu crains de nier. Alors, c'est un titre, en fait, c'est pour les personnes qui se sont entachées par des actions qu'ils auraient fait, qui se sont qualifiées eux-mêmes, ou qualifiées leur action d'action négative, des personnes qui se sont auto-censurées. Donc, soyez sûrs de la grâce divine que Dieu déverse sur chacun d'entre nous, puisque Dieu est tout amour et notre esprit, nous ne pouvons pas percevoir quel est ce grand amour que le Seigneur a pour nous. Donc, c'est un texte qui parle de plusieurs personnes dans les Écritures, que, avec nos regards humains d'aujourd'hui, on pourrait les condamner, mais Dieu ne condamne pas. Alors, c'est un texte, je vais vous dire après, sous la description, un texte de qui l'a écrit. Et c'est une musique de Jean-Marie Vincent. Si tu as peur de trahir, le code s'écrit, c'est G237-2, deuxième version. Si tu as peur de trahir, si tu crains de nier, quand ton cœur est cerné par le doute, souviens-toi du jardin et de l'homme qui s'est livré. Souviens-toi du jardin et de l'homme qui s'est livré. Si tu as peur de frémir, si tu crains de pleurer, quand tes yeux sont troublés par ta faute, souviens-toi du regard et de Pierre bouleversé. Souviens-toi du regard et de Pierre bouleversé. Si tu as peur de blesser, si tu crains de meurtrir, quand ta main est fermée par la haine, souviens-toi du larron que l'amour s'est réconcilié. Souviens-toi du larron que l'amour s'est réconcilié. Si tu as peur de marcher, si tu crains de tomber, quand ton pied est blessé par la route, souviens-toi de la croix et des clous qui percent les pieds. Souviens-toi de la croix et des clous qui percent les pieds. Si tu as peur de partir, si tu crains de mourir, quand ton corps est lassé par la lutte, souviens-toi du matin où le Christ est ressuscité. Thank you.
À bientôt.